Salut tout le monde, c'est Divitrazi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un mois après. Puisqu'aujourd'hui, je vais vous présenter une Citroën C6 miniature 1.43 by Norev. Oui, la société de voitures Norev a été fondée par Véron. Bref, je fais mon retour sur YouTube un mois après les vacances. Et oui, il faut bien que je me limite un peu aussi des vacances. Puisqu'il faut vraiment se mettre au travail tout de suite, Divitrazi. Bon, allez, qu'est-ce qu'on attend pour la présenter? Bon, regardez déjà la voiture. C'est vrai qu'elle fait un peu futur quand même, cette Citroën C6. Hein. Vous trouvez pas, vous? Oui, je commence comme ça. Hein. Regardez l'intérieur. Bon, après, ne vous étonnez pas, hein. C'est logique que vous voyez l'intérieur. Hein. Ah, c'est stylé. J'adore. Voilà, on voit à peu près le tableau de bord. Le volant, mais un peu. Bon, c'est stylé. Malgré que cette voiture n'a vraiment pas fait l'unanimité, elle a été produite pour très peu d'exemplaires. Regardez-moi ces roues. Par contre, le point fort aussi, c'est qu'on voit mieux le logo, ainsi que le Citroën et le C6. La plaque d'immatriculation. Regardez un peu l'avant de la voiture. Regardez un peu le toit. Bon, depuis que j'ai acheté cette voiture miniature, il y a quelques inconvénients. C'est-à-dire qu'il manque les deux rétroviseurs ainsi que la petite portière. Attendez, je vais vous la montrer. Où est l'intrus? Bon, je pense que vous l'avez trouvé, l'intrus. Bon, bah, malgré tout ça, sinon le reste, elle est quand même superbe, jolie quand même. Bah oui, parce que s'il manquerait toutes ces roues, hein, je l'aurais pas pris. Hein. J'aurais même pas fait de vidéo là-dessus, donc, d'ailleurs. Bon, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est d'aller faire un tour avec. Allez, c'est parti! Oui, bon, ce n'est pas vraiment l'endroit idéal pour faire un tour avec une Citroën C6. Mais fais ce que je peux aussi. Pourrais-je faire dans un chantier tant que vous y êtes? Je plaisante. Bon, en tout cas les amis, j'espère que cette vidéo retour vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à commenter, ainsi que la partager. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et je vous dis, ciao tout le monde.